Les fortes pluies des dernières heures ont provoqué des inondations dans plusieurs régions. Déjà, on rapporte des dégâts. À Chersey, dans la Naudière, une route s'est carrément affaissée. Heureusement, l'homme qui manquait à l'appel a finalement été retrouvé. Catherine Bouchard. L'avenue du Castor a cédé vendredi soir sous la force de l'eau. Vous le voyez, là, les dommages sont importants. Aujourd'hui, on essaie déjà de rétablir le lien routier. Il y a deux véhicules qui ont été embourbés, une personne qui était disparue qui a finalement été retrouvée. Mais vous allez l'entendre, ça a donné vraiment lieu à toutes sortes d'histoires rocambolesques pour les citoyens du secteur. La rivière a pris le dessus, j'ai nagé. Puis, en fin de compte, une fois mouillé, j'ai décidé que c'était assez. Je suis revenu à l'auto. Heureusement, j'avais ma valise avec du linge sec. Il est où votre véhicule? Il est dans le bois. Il est dans le bois, mais à peu près à 11 km. Là, on a fait ça à pied ce matin. Je parlais avec du monde, puis ça fait 20-30 ans qu'ils ont jamais vu ça. Et les régions de Lanaudière et des Laurentides sont particulièrement touchées par ces inondations. D'ailleurs, du côté de Saint-Côme, c'est une soixantaine de résidences qui sont complètement bloquées par l'eau, qui sont coupées du reste du monde. Et le maire dit que l'aide doit venir plus rapidement. Il va falloir qu'on demande au ministère de la Sécurité publique de nous aider là, beaucoup plus rapidement que l'an passé, parce que l'année passée, on a décrété des mesures d'urgence. On a au-dessus de 100 000 $ de pertes. Et on n'a toujours pas été payé par le ministère. C'est fou, là. On envoie des photos, les rapports ne sont pas compatibles. On n'a pas encore réglé les pertes, les dommages d'au-dessus de 100 000 $ de l'an passé. Les ministres Caroline Proulx et France-Hélène Duranceau étaient sur le terrain aujourd'hui. Elles ont fait le point sur la situation. Du côté du gouvernement, on suit la situation de très près. J'ai échangé avec le ministre de la Sécurité publique ce matin. Et puis, je tiens à dire aux citoyens qu'évidemment, il faut être prudent, pas s'aventurer près des cours d'eau inutilement. Et puis surtout, d'écouter les consignes de la municipalité, de la sécurité publique pour que les gens puissent faire leur travail comme il faut. Selon les prévisions de la sécurité publique, le niveau des rivières devrait redescendre dans les prochaines heures. On demeure sur un pied d'alerte parce que plusieurs secteurs qui sont encore en état d'inondation moyenne. Catherine Mouchard, TVA Nouvelle, Chersey.